concernés était difficile pour nous. Ok, j'ai compris. Donc, on s'est rendu compte que la participation des personnes concernées était difficile pour nous parce qu'on avait naïvement mis de l'argent de côté pour pouvoir leur rembourser leurs frais quand les personnes participeraient à nos réunions, à nos conférences, à nos journées d'études. Et en fait, on s'est rendu compte que leur mobilité est problématique, comme leur disponibilité. Donc, il fallait qu'on inverse complètement les choses. Et donc, on s'est mis plus à leur écoute, à leur disposition, avec un certain nombre de dispositifs de participation, comme par exemple un groupe qui s'appelle À nous la parole, qui est co-animé par les missions locales de Toulouse et Haute-Garonne, qui travaille avec des jeunes du territoire, donc c'est plus facile, et groupe qui est évolutif, donc des jeunes peuvent y rentrer ou en sortir en fonction de leur insertion ou de leur disponibilité. On les consulte donc sur l'ensemble de nos sujets. Donc on a été plutôt imaginatif et très pragmatique sur les questions de la participation. Mais pour y donner un peu de méthodologie, j'ai souhaité, en accord avec la FAS, lancer plusieurs initiatives. La première, elle concernait donc les formations à la participation. On a également lancé avec un cabinet qui s'appelle Copésia un appel à manifestation d'intérêt pour accompagner les structures publiques et associatives qui veulent se qualifier au sujet de la participation. On a avec Myriam Panaget de la Fabrique solidaire une stagiaire en commun qui travaille sur un guide pratique sur l'identification des outils, l'identification des bonnes pratiques, l'organisation d'une journée d'études. Et pour finir, avec Nicolas et la Fédération, on a lancé effectivement, il y a plus d'un an, l'idée effectivement d'un projet de certification des compétences en matière de participation, donc acquises par les personnes, de façon à pouvoir, sur le principe des open badges, de façon à pouvoir valider des compétences, puisqu'on considère que les personnes qui nous ont donné leur temps ont aussi témoigné de compétences, voire acquis des compétences, et qu'il était important de pouvoir les valoriser. Ça a d'ailleurs eu un certain succès, puisque Nicolas, je crois que vous avez fait la présentation il y a quelque temps devant le CNLE, devant le Conseil national de lutte contre les exclusions. Donc, c'est plutôt intéressant, donc c'est une initiative intéressante. Je voulais donc nous en féliciter collectivement. Parce que même si très humblement, ce n'est pas facile, la participation, je pense qu'on a su se remettre en question, on a su essayer d'inventer, d'innover, de travailler autrement. On a là un outil que je trouve très intéressant. Voilà, donc merci mesdames et messieurs de participer à ce webinaire. Et je rends immédiatement la parole. Merci. Merci, Monsieur Pélisson. Donc nous allons à présent diffuser donc un PowerPoint du coup de présentation pour ce dispositif. Est-ce qu'il apparaît bien de votre côté? Oui. Très bien. Oui, monsieur Medjoel. Alors, je vais proposer donc d'un premier temps que les intervenants qui vont vous présenter ce dispositif puissent se présenter avant de commencer. Donc, je le fais pour ma part. Donc, je suis Nicolas Coste, chef de projet donc à la Fédération des acteurs de la solidarité Occitanie et donc notamment sur une mission sur les questions de participation au sein de la stratégie pauvreté Occitanie. Et donc, je passe la parole à Marc Bouziane. Oui, alors, Marc Bouziane, je suis membre du groupe ressources dans les Hautes-Pyrénées. J'ai participé aussi à l'établissement de l'Open Bac hein, avec Hervé ici présent. Merci. Céline Libine. Bonjour, je suis Céline Libine, je suis déléguée CRP Occitanie, donc Conseil régional des personnes accueillies et accompagnées. Et Christian David. Oui, Christian David, j'appartiens au GECRI 3.0 de Nîmes. Merci. Ben donc, sans plus attendre, commençons cette présentation donc, de ce nom que nous n'avons pas encore dévoilé jusque-là, mais donc ce dispositif qui va se nommer donc Participe Acte, participation citoyenne, la certification des compétences. Donc, nous avons, dans un premier temps, on va vous présenter le projet, comment il s'est construit, comment il s'est co-construit.
puis vous présenter plus précisément le dispositif en lui-même et enfin son utilisation, ce qui pourra en être fait par la suite. Donc, dans le projet, donc, les collectifs qui ont été impliqués dans sa construction, présenter ses objectifs et donc cette fameuse co-construction. Donc, ce projet donc, construit dans le cadre donc, de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté en Occitanie, donc, piloté par la Fédération des acteurs de la solidarité Occitanie. Un projet donc, qu'on a démarré en janvier 2022 pour sa construction et qui va se lancer donc, là, en mai 2023 à la suite de ce webinaire. Ce projet donc, qui a été co-construit donc, avec 6 collectifs rassemblant des personnes concernées et des professionnels les accompagnant. Donc, voici donc ces collectifs qui ont été impliqués dans la création de ce dispositif. Donc, on a le temps de parole de la plateforme Regain de l'association ADAGE, le Conseil régional des personnes accueillies et accompagnées, donc le CRPA Occitanie, le groupe Ressources 65 du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, le groupe citoyen Ressources de l'inclusion, le J'écris 3.0 du Conseil départemental du Gard, les comités participatifs RSA du département de l'Hérault, du Conseil départemental 34, et le Conseil de la vie sociale de la résidence Foch de la Fondation Armée du Salut. Donc, les objectifs de ce projet qui vont être de valoriser donc, les compétences donc, acquises et ou révélées. Donc, on a voulu insister sur ce point, de se dire qu'on acquiert dans les espaces de participation des compétences, mais on sait aussi les compétences que les personnes peuvent être porteuses et qui finalement viennent s'exprimer dans ces espaces de participation. Donc, acquises ou révélées par des personnes étant ou ayant été en situation de précarité, participant à des dynamiques collectives de participation citoyenne dans le champ de la lutte contre la précarité. Donc là, on y reviendra tout à l'heure, mais cette dimension du collectif est aussi importante pour nous. Avec cet objectif de pouvoir valoriser l'acquisition de ces compétences pour les personnes concernées elles-mêmes, leur permettre de prendre conscience de tout ce qu'elles peuvent mettre en œuvre comme savoir, savoir-faire et savoir-être dans ces dynamiques de participation, et puis leur permettre, si c'est leur souhait et leur projet, de favoriser le transfert de ces compétences dans le cadre d'un autre projet, qui peut être celui d'une recherche d'emploi, d'aller vers une fonction de bénévole ou autre. Et donc, je passe la parole à Marc. Oui, alors le projet a été mené en co-construction avec les personnes concernées, venant de 6 collectifs, ainsi que de 6 collectifs de la région Occitanie, bien sûr, ainsi que des intervenants sociaux. Il a été effectué en 3 grandes étapes. Donc, une rencontre individuelle de chaque collectif, une réunion de restitution où tous les collectifs étaient présents afin de définir les grandes lignes, en fait, et une construction des outils et du site web présentant le dispositif. Ce qui a été co-décidé, en fait, vous avez à l'écran, c'est la définition des référentiels de compétences, la définition des compétences de chaque référentiel et le choix des modalités de la certification. On va vous présenter maintenant du coup, à qui s'adresse ce dispositif, ces fameux référentiels de compétences et ce qui a été décidé comme prérequis au niveau d'acquisition par les collectifs ayant participé donc, à sa construction. Donc, Céline. Avec le son, ça ira mieux. La cible du dispositif, c'est les personnes étant ou ayant été en situation de précarité, engagées dans des dispositifs de participation citoyenne dans le champ de la lutte contre la précarité en Occitanie. La participation citoyenne s'étend ici comme une participation active à un projet, un collectif, ou à une consultation citoyenne, c'est-à-dire un espace où la personne, à partir de son expérience et ses savoirs, apporte une contribution dans le cadre d'un échange collectif. Ce qui donne la participation citoyenne est à différencier du témoignage de son expérience ou de la participation individuelle à son accompagnement. Les référentiels de compétences
Donc, on a élaboré trois référentiels correspondant à trois formes de participation et des compétences déclinées à l'intérieur de chacun de ces trois référentiels. Les compétences déclinées sont les compétences relationnelles, le travail en collectif, se servir de son expérience et les capacités d'analyse et d'apprentissage. Donc, le premier référentiel, participer à un projet. Il s'agit de la participation à l'élaboration d'un projet collectif. Ceux-ci peuvent être très divers. Organiser un séjour, créer un jardin partagé, créer un dispositif d'accueil, etc. La partition peut être à différents moments du projet, en amont du projet, durant le projet ou dans l'évaluation du projet. Le deuxième référentiel, c'est s'impliquer dans un collectif. Il s'agit ici de participer à un collectif se réunissant de manière récurrente pour être consulté, pour co-construire ou pour co-décider les aspects touchant le quotidien ou les modalités d'accompagnement des personnes concernées. Ce peut être aussi un collectif abordant le fonctionnement d'une structure. Et enfin, il peut s'agir d'un collectif travaillant à l'amélioration des conditions de travail, exemple conseil social et économique. Le troisième référentiel, participer au débat citoyen. Il s'agit ici d'y participer à une commission, un groupe de réflexion ou dans le champ de la lutte contre la précarité qui peut être porté par l'État, une association ou un collectif citoyen, ou encore une collectivité territoriale. Ça peut être aussi la participation aux travaux d'un mouvement militant dans le champ de la lutte contre la précarité, constitué en collectif ou association. Donc là, pour Christian. Alors, prérequis et niveau d'acquisition. Prérequis, la personne souhaite faire valider l'acquisition de compétences par le biais de ce dispositif, soit avoir participé au moins à 5 séances de son collectif de référence. Alors, niveau d'acquisition, 3 niveaux d'acquisition de compétences sont prévus pour chacun des 3 référentiels. Alors, niveau d'acquisition, niveau 1, validation d'au moins un tiers des compétences dans chaque catégorie de compétences. Niveau 2, validation d'au moins des 2/3 de compétences dans chaque catégorie de compétences. Niveau 3, validation de l'ensemble des compétences de chaque catégorie avec la possibilité de ne pas en valider 5 sur la totalité. Donc maintenant, on va vous présenter plus particulièrement donc, comment utiliser ce dispositif, donc comment fonctionne cette certification, le site internet qui a été lancé à l'occasion de ce webinaire et comment se matérialise la certification, donc les certificats et les open badges. Donc, sur la certification, du coup, c'est la parole est à Marc, pardon. Il n'y a pas de problème. La certification, tout simplement, elle sera portée par les collectifs concernés et vérifiée par la phase Occitanie, Fédération des acteurs de la solidarité, bien sûr. Donc, il y aura. Soit les personnes concernées, donc c'est les modalités, pourront faire la. Ouais. Les personnes concernées pourront la solliciter auprès des professionnels ou les professionnels pourront aussi le proposer aux personnes concernées, tout simplement. Les personnes qui en font la demande, en fait, feront une auto-évaluation à l'aide d'une grille qui regroupera les différents niveaux de compétences du référentiel et à laquelle succédera un échange avec le référent du collectif
sur l'auto-évaluation, bien sûr. Ensuite, il y aura l'envoi de la grille d'évaluation, d'auto-évaluation à la phase pour vérifier le respect du cadre du dispositif. Et bien entendu, il y aura un retour du certificat, si tout est dans le cadre, bien sûr, vers l'encadrant afin qu'il le signe et qu'il le remette à la personne concernée. Du coup, on a voulu vous illustrer un petit peu ce parcours en prenant voilà, un exemple typique donc là, de participation citoyenne dans lequel pourrait s'appliquer ce dispositif. Donc là, on va se placer dans le programme, pas celui d'une région en particulier, mais le programme régional d'accès à la prévention et aux soins, qui s'appelle le PRAPS. Donc là, l'Agence régionale de santé, dans ce cadre, met en place des espaces de concertation pour définir ces orientations régionales du PRAPS. Du coup, c'est des espaces de participation qui réunissent des professionnels, des élus et des personnes concernées. Donc là, on prend l'exemple fictif de Madame Fontaine, donc une personne concernée, qui participe à ces travaux du PRAPS. Donc, elle participe donc à ce titre au débat citoyen, comme on a pu le nommer dans le référentiel correspondant. En l'occurrence, par ailleurs, elle est dans une démarche de recherche d'emploi. Donc, Madame Fontaine participe donc à ces travaux au titre d'un collectif. C'est important, parce qu'effectivement, dans ces instances-là, la participation se fait au titre de la représentation d'un collectif, d'une association, d'une instance. Donc, elle a participé donc, au titre de la représentation de ce collectif, donc, ou à 5 séances du PRAPS ou d'autres instances sur lesquelles elle est impliquée au titre de son engagement dans ce collectif. Et donc, cette règle des 5 séances étant respectée, elle peut donc faire certifier les compétences qu'elle a acquises révélées dans ce cadre en sollicitant le dispositif Participe Act. Donc, la première étape pour elle sera d'aller télécharger sur le site internet du dispositif la grille d'auto-évaluation, donc de la remplir d'un premier temps seule, puis d'échanger avec le professionnel ou le bénévole qui accompagne le collectif dont elle fait partie sur cette grille. Donc, elle envoie, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la grille d'auto-évaluation à la face Occitanie pour s'assurer du respect du cadre. Donc là, ça prendra la forme d'un échange, avec la personne, effectivement, de s'assurer qu'on parle bien des formes de participation telles qu'entendues dans le dispositif et du respect des prérequis qu'on a définis. Donc, si ce cadre est respecté, donc la FAS Occitanie lui transmettra le certificat signé et l'open badge correspondant au niveau acquis en fonction du nombre de compétences validées dans le référentiel. Donc là, en l'occurrence, le référentiel participer au débat citoyen. Donc là, en retour, donc une fois qu'elle aura reçu cette attestation de la part de la FAS Occitanie, Madame Fontaine transmettra l'attestation signée donc au supérieur hiérarchique du des professionnels ou bénévoles du bureau élu du collectif auquel elle appartient, qui co-signeront donc l'attestation de compétences transmises. Et donc cette attestation de compétences pourra être utilisée dans le cadre de sa recherche d'emploi, en l'occurrence. Qu'elle pourra faire valoir donc, les compétences acquises auprès d'organismes comme par exemple Pôle emploi ou d'employeurs. Voilà. Pour vous illustrer, donc ça c'est ce à quoi ressemblera donc, ce certificat de compétences, donc, qui détaille donc, l'identité de la personne, du coup, le niveau de référentiel atteint. Donc, on a une petite étoile sur le badge notamment qui le donne, puis c'est marqué en toutes lettres en dessous. Les structures signataires, donc la FAS et la structure de référence de la personne. Et ensuite, donc, on a une présentation succincte des collectifs qui ont participé à l'élaboration du dispositif, ainsi qu'une adresse qui permet d'aller consulter l'ensemble du dispositif sur le site internet. Et donc, sur la deuxième page de cette attestation, on a toutes les compétences qui ont été validées par la personne dans ce cadre de cette participation citoyenne. Donc là, c'est les quatre catégories qu'on retrouve, les compétences relationnelles, le fait de travailler en collectif, de se servir de son expérience, et les capacités d'analyse et d'apprentissage. Donc ces quatre catégories sont communes aux trois référentiels qu'on a cités tout à l'heure. Et il y a une variation dans les compétences qu'on retrouve, par exemple, dans le bloc compétences relationnelles,
la discrétion, l'organisation, l'engagement, ça peut varier entre les trois référentiels. Alors, je vois qu'il y a des mains levées sur les questions. On prendra juste le temps de répondre à la question à la fin de la présentation. Donc, on finit juste ce petit temps. Donc d'abord, ensuite, ça, c'est l'Open Badge, de la même façon, qui certifie, donc, remis en même temps à la personne, donc, sur le même niveau 1, donc, de participer au débat citoyen, donc, qui renvoie également vers le site Internet pour la présentation complète du dispositif et qui indique donc une attestation PDF qui vient compléter ce badge, qui détaille les compétences qui ont été acquises par la personne. Donc, voici donc, voilà, le fameux site Internet. Donc, on peut retrouver l'adresse qui est maintenant en ligne, www.participe-act.org, qui va reprendre les grands éléments de cette présentation et sur lequel on peut retrouver donc les trois grilles d'auto-évaluation de compétences, donc un par référentiel, qui sont à télécharger sur le site dans le référentiel de compétences correspondant. Mais vous verrez, normalement, on s'y retrouve. Donc, voilà, donc pour chaque référentiel, effectivement, une revue d'une attestation d'acquisition de compétences avec le niveau correspondant, une attestation au format PDF et un open badge numérique. Voilà pour la présentation. Je vais quitter le partage. Vous remerciant pour votre attention. Je vais juste arrêter l'enregistrement pour que ça soit succinct sur le replay. Et puis, on va passer à un temps d'échange.